Voici les lits d'éponge Vasella. On les trouve au large de la Nouvelle-Écosse. Ces éponges protégées sont aussi appelées chapeaux russes à cause de leur forme. Les scientifiques utilisent les véhicules sous-marins téléguidés pour récolter des échantillons des éponges. Le ROV peut résister à la pression subie à plus de 1500 mètres de profondeur. La caméra révèle une abondante population d'éponges sur le plancher océanique. Une véritable forêt sous-marine. Le véhicule sous-marin téléguidé récolte les échantillons grâce à son bras mécanique. Certains échantillons sont analysés directement par les scientifiques à bord de nos navires de recherche océanographiques. D'autres échantillons vivants sont transportés à l'Institut océanographique de Bedford aux fins d'analyse. Des scientifiques du monde entier viennent à l'Institut de Bedford pour en apprendre plus grâce à ces spécimens. Les échantillons d'éponges nous en apprennent plus sur leur ADN et leur environnement. Finalement, cette recherche nous permet de mieux protéger ces organismes sensibles et de mieux comprendre nos océans.